titre est emprunté à une citation de Joseph Conrad qui est en exergue de La Folie Allmayer, où il dit « Je m'intéresse au commun des mortels ». Donc je lui dis « Est-ce que je ne m'intéresserai pas au commun des mortels ?» Alors le commun des mortels, c'est, oui, c'est une série de portraits de gens qui ne sont pas forcément proches, mais l'autre chose que j'avais en tête, vous savez, c'est dans un film de Wim Wenders qui s'appelle Les ailes du désir, il y a des personnages d'anges qui ont cette faculté d'entendre les pensées des gens dans les métros, dans les bibliothèques publiques, etc. Et moi, c'est ce qui m'arrive très souvent dans le métro, par exemple à Paris ou ailleurs, ou à Bordeaux, c'est de me demander, mais de façon presque fugitive, mais à quoi pense-t-elle? Qu'est-ce qu'il lit? C'est quoi sa vie? Et les visages sont des masques, hein, surtout dans les transports, mais les transports sont en commun. Donc c'est la résonance que j'ai eue, c'est-à-dire presque au sens poétique. On est transporté par un livre, par un film, par une peinture. Mais le transport en commun, aujourd'hui, c'est pas très joyeux, pas très... C'est un souci, en tout cas. Donc moi, je voulais transformer cette proximité avec ces gens, parce que c'est une série de petits portraits, enfin, de petits portraits, de portraits, en une proximité qui soit pas non plus hystérique. C'est-à-dire, je ne m'aimais pas à leur place, et en même temps, j'espère ne pas avoir la distance presque anthropologique ou sociologique pour les toiser, voilà. Donc ce commun des mortels, c'est notre lieu commun, voilà, tout simplement. Donc c'est des petites histoires. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours petit. Ce sont des histoires et des portraits, voilà. Avec tout un réseau de prénoms qui vont naviguer en souterrain d'une histoire à l'autre.